Bonsoir à tous et à toutes, Je suis Fabrice Galanti, le directeur d'Arc en Rêve, et je vous donne la bienvenue à cette dernière session de cette après-midi soirée de vernissage, l'inauguration de l'exposition Impasse des Lilas, qui est ouverte déjà depuis ce matin dans la grande galerie de Arc en Rêve. Je voudrais brièvement introduire et remercier nos invités de ce soir, donc l'agence MBL Architectes, Sébastien Martinez-Barra, Benjamin Lafort et Florent Jomain, qui ici en salle aussi, qui ont donc joué le jeu avec nous de cette exposition. Je vais vraiment vous expliquer quel est le principe selon lequel nous avons développé ce projet ensemble. Il s'agit d'une carte blanche, donc un format que nous sommes en train de développer à Arc en Rêve, qui se décline dans différentes directions. Ça peut être une conférence, un colloque, une publication, ou comme dans ce cas une exposition, où Arc en Rêve se laisse infiltrer, parasiter, par des idées, des hypothèses d'autres personnes, vu que nous avons l'impression de ne pas tout le savoir, même s'ils sont plutôt arrogants, mais quand même, on ne peut pas pousser l'arrogance trop loin. Et donc, on veut effectivement que d'autres regards, d'autres postures, d'autres manières d'imaginer l'urbain, l'architecture, la ville viennent vers nous. Donc, nous avons invité un bel architecte avec une proposition, comme on l'avait appelé à l'époque, un peu diabolique, parce qu'on leur proposait d'un côté de l'argent pour faire une exposition et des mètres carrés pour faire une exposition, en plus l'expertise d'Arc en Rêve qui n'est pas mineure, et en échange de leur intelligence, oui, mais aussi dans un délai quand même plutôt court. Donc après une réflexion assez rapide, MBL nous ont dit oui, nous croyons pouvoir le faire, et donc sont revenus assez brièvement, après un délai assez court, avec une hypothèse de, finalement, même s'ils ne veulent pas l'admettre, de construire une exposition autobiographique, une sorte de thérapie de groupe presque, par rapport au périurbain français au début, même si on a eu des conversations où on insistait que l'exposition aurait dû être moins franco-française et plus internationale, comme en effet elle est devenue au fur et à mesure qu'on a eu ce dialogue, pour nous très très enthousiasmant. Et donc il s'agit d'une réflexion sur les manières avec lesquelles on peut réhabiter des lieux qui sont finalement assez invisibles aux yeux des cultures hautes, entre guillemets, la littérature, le cinéma, l'architecture, et qui sont regardés avec un mélange de désespoir et d'affection, mais je dirais plutôt d'affection, de possibilités d'imaginer des futurs alternatifs. On a proposé cette hypothèse à MBL pour différentes raisons. Il nous semble qu'ils font partie d'une génération émergente en France, composée de sujets très différents, d'une multiplicité de postures, qui nous paraît en ce moment très intéressante. Et nous étions très attirés par différentes raisons, différentes, comment dire, manière de faire, de s'imaginer architecte de MBL, donc comme on l'a dit aujourd'hui déjà durant la visite de presse, une différence au brassage, aux séparations des disciplines. L'exposition, une exposition, vous allez le voir, qui mélange des registres, des thèmes, des contributions provenant de différentes pratiques. Un rôle de l'architecte qui commence à se déligner comme plutôt différent du rôle qu'on connaissait du passé, donc moins l'auteur, porteur d'un génie, d'un talent, mais plutôt quelqu'un capable d'écouter, de regarder, d'interpréter le réel pour y donner une nouvelle configuration. Et aussi, ça nous a paru absolument fondamental de travailler avec quelqu'un qui, comme on l'a vu dans des précédentes expériences, je pense à une exposition à Canal à Bruxelles il y a quelques années, qui pas seulement fait de l'architecture, mais qui sait aussi très très bien qu'on mette dans l'espace des objets pour créer du sens. MBL n'a pas proposé une monographie, il aurait pu le faire, on aurait accepté le principe, mais au contraire, l'idée d'introduire furtivement des projets de l'agence dans l'exposition, plutôt dans le but d'essayer de montrer les liens, les relations, les potentiels qui sont entre leur travail d'architecte. Donc c'est en même temps une exposition sur leur travail, mais pas seulement. C'est aussi une exposition sur les influences de leur travail et les potentiels que leur travail pourrait déclencher en étant mis en relation avec d'autres contributions, celle du Japon par exemple, qu'on vient de l'écouter, et beaucoup d'autres. Donc merci beaucoup. Donc le format est celui d'une conférence qui accompagne l'exposition. Avant de passer la parole à nos invités, je tiens à remercier les équipes d'Arc en Rêve. Je ne vais pas faire la liste de tous les gens qui ont participé à ce projet. Un projet d'Arc en Rêve se base sur le travail d'une vingtaine plus de personnes qui travaillent à fond sur les différentes facettes de l'exposition. Donc merci à vous et merci aux partenaires qui nous accompagnent dans les activités d'Arc en Rêve, donc la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le ministère de la Culture à travers la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, la région Nouvelle-Aquitaine et aussi nos partenaires privés, Aquitanis et Unicalo. Merci beaucoup et à vous la parole, Sébastien et Benjamin. Merci Fabrizio et merci à toute l'équipe d'Arc en Rêve, Fabrizio, Wen, Léo, Cyril et toute l'équipe. C'était joyeux comme projet d'exposition. En préambule, on tient à remercier Florian Jaumin qui est notre co-commissaire et qui nous accompagne à l'agence depuis maintenant 2 ans. Puisqu'on est un peu de gauche aussi, on remercie toute l'équipe de MBL, donc Véranie, Fanny, Nicolas, Robin, Baptiste, Théophile, Nathan, Amalie et Roxana. Voilà, qui ont contribué beaucoup à l'exposition, mais pas que, qui au quotidien font aussi des tableaux Excel, des suivis de chantier et de la conception aussi théorique. Puisque notre agence... on existe depuis 2013 et notre spécificité, ou du moins notre quotidien, c'est de la construction, ou du moins de la rénovation, du moins de la maîtrise d'œuvre classique et beaucoup de recherche qui prend la forme de publications ou d'expositions. Donc l'exposition ici, c'est vraiment un moment de l'agence et c'est pas une pause de communication, mais c'est vraiment un quotidien qu'on met en place dans notre bureau. Alors pour peut-être parler de l'exposition plus en détail, donc le titre « Impasse des Lilas » qui désigne un lieu, on reviendra sur la signification de ce titre-là, mais peut-être le premier dessin, suite à la proposition faite par Arc en Rêve, une heure après, voilà, un petit dessin relativement mystérieux. Il disait que si on faisait une exposition, on voulait vraiment faire une exposition de commissaire, c'est-à-dire le commissaire qui est cette personne qui est envoyée à droite et à gauche pour aller récolter des informations, des objets, et les ramener dans un lieu pour les confronter, les donner à voir ensemble, là où la réalité justement les disperse, les oppose. Une exposition finalement qui revient à la base de ce qu'est le commissariat, rapprocher des réalités différentes pour essayer d'entrevoir des liens, quelque chose de commun, et peut-être même percevoir une forme de devenir. Et la forme de l'exposition que l'on peut éprouver dans le périurbain, c'est le shopping. Le shopping reste quand même une forme d'exposition où on voit des objets cohabiter derrière des vitrines. Et cette idée d'un paysage infini de vitrines, où les objets sont à portée de main mais en même temps inaccessibles, nous a accompagnés pendant toute la conception de l'exposition. Une autre image assez importante était celle du marché aux puces. Le marché aux puces, alors on a eu la chance de passer quelques mois à Kyoto, au Japon, quasiment une année, et un des rituels était d'aller au marché aux puces, qui est dans un temple au nord de la ville. Et c'est un marché aux puces qui est, comme tous les marchés aux puces, met en rapport des objets. Mais ici, les objets sont mis en rapport au sol sur des grandes bâches bleues au milieu du parc du temple. Alors c'est un marché aux puces peut-être un peu chic par rapport au marché aux puces qu'on peut trouver à Saint-Ouen, mais c'est la même logique de cohabitation d'objets trouvés qui ne partagent pas nécessairement une réalité a priori, mais qui là font du sens. Donc l'exposition c'est divisé en 6 travées, qui correspondent finalement à l'architecture du lieu, et une série de grands plateaux posés à même le sol, dans lesquels seraient accueillis les objets que nous allions trouver au cours de notre recherche. Bon, cette recherche, elle avait déjà débuté, on peut dire, 10 ans avant, puisque, comme l'a précisé Fabrizio, on voulait éviter la psychanalyse de groupe, et évidemment, c'est ce que nous avons fait. C'est une exposition autofictionnelle, pour ne pas dire autobiographique. Et dans cette autofiction, non, le sujet du marché aux puces aussi, c'est à nous l'objectif et de comment on voit la discipline architecturale, du moins c'est l'équivalence des objets, l'équivalence entre Mathieu Mercier et Karine Schlageter parler de haute culture et petite culture, c'est considérer pour nous toutes les choses au même niveau, que ce soit et on le verra dans l'exposition, que ce soit des projets d'architectes vivants ou plus historiques, des projets d'artistes de la même manière qui ont fait des commandes spécifiques ou des projets d'artistes des collections du CAPC, mais aussi et beaucoup des objets du quotidien, des objets de l'industrie et certains de nos projets, mais le but de créer un récit avec tout ce magma d'éléments qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Donc dans ce paysage d'équivalence, on débute avec un titre, l'Impasse des Lilas. L'Impasse des Lilas qui finalement est un point de vue, c'est la manière dont on va considérer le monde, c'est de là dont on regarde les choses, à la fois le monde et la manière de faire de l'architecture. Donc l'Impasse des Lilas, c'est une impasse au nom de fleurs, construite sur un territoire que l'on peut qualifier ni la ville ni la campagne. Et c'est un territoire qui est une condition partagée, puisque un petit décompte des noms de rues nous a révélé qu'il y avait 840 impasses des lilas en France. Si on rajoute les jonquilles, les coquelicots et toutes les fleurs, on arrive à des milliers et des milliers et des milliers d'impasses au nom de fleurs, ce qui révèle que cette condition est une condition commune. Et si on commence à traduire avec les langues européennes, on s'aperçoit que c'est un fait partagé et un grand impensé de l'urbanisme et de la culture contemporaine. Cette impasse aussi, ou du moins ce pavillonnaire, c'est là d'où on vient. Donc c'est assez important pour nous, non pas pour la biographie ou quoi, mais c'est pour situer les savoirs, d'où proviennent les savoirs. Et c'est aussi, on a été confrontés à l'origine de nos études, où, voilà, école d'architecture, on apprend la grande histoire, qui maîtrise peut-être ce côté pavillonnaire, et pour nous, on y voyait des qualités. Et donc c'est ce qu'on essaye de présenter dans ce premier chapitre, « Ni la ville, ni la campagne », qui parle des qualités de cette situation pavillonnaire. Donc « Ni la ville, ni la campagne », qui est, précis comme le dit le titre, un espace intermédiaire entre les deux réalités qui ont structuré la pensée urbaine du XXe siècle, une sorte de réalité tierce, un inconnu, qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors, durant la conférence et durant l'exposition, c'est ce petit livre, le petit livre blanc, qui nous guide. C'est un livre qui reprend l'ensemble des œuvres qui sont à la fois dessinées, numérotées et légendées, et qui introduit le propos de l'exposition par des textes à la manière de nouvelles, chaque chapitre étant une forme d'hypothèse sur le futur de l'architecture. Donc on commence en 1904. Et peut-être... Non, juste dire qu'en fait, pour le protocole de la présentation, c'est que dans l'exposition, il y a 143 objets. Il y a 6 chapitres, et donc on a décidé d'être des bons élèves et pour ne pas vous épuiser, de choisir 3 objets par chapitre que nous allons vous présenter. Donc 3 x 6, 18. On commence par « Ni la ville ni la campagne ». Je vous lis le texte d'introduction. 1990. Nous habitons une maison construite sur quelques terres agricoles découpées en lots. Là, sur ses bords, la ville s'étale et s'épuise. Les voiries, effilées, nouées par des ronds-points, y distribuent un paysage placide de murets et de haies diversifiées. Derrière chaque portail, les pavillons sont les protagonistes inquiets. À l'abri des regards, à l'abri de tout, s'accumulent les nuées d'objets qu'une vie de travail amasse. Le bocage pavillonnaire est la forme achevée d'une émancipation individuelle et familiale par la propriété privée. Ici, il n'y a pas d'histoire à raconter, le quotidien est logistique. Les automobiles sont les partenaires des migrations pendulaires, les rues des boucles, les terrains des monts de clos, les maisons des entrepôts. Le paysage est horizontal, la vie sans distinction. Donc ni la ville ni la campagne. Donc, vous verrez dans ce chapitre-là le tableau d'un sol agricole par Thomas Lévy-Lannes, des bornes de géomètres qui découpent les lots des futures habitations, une plaque au nom de la rue Impasse des Lilas, une sculpture de Didier Marcel, qui représente un paysage à la fois pittoresque et très normalisé, et des tracés de voiries de rond-point qui ont été élaborés dans le cadre d'un enseignement, puisque l'enseignement est une partie importante de l'agence, au sein de l'école d'architecture de Toulouse, qui est les pavillons, et qui nous a créé quelques déboires d'enseignants pour avoir abordé ce sujet extrêmement fâcheux et non digne d'intérêt. Mais malgré tout, nous sommes parvenus à arpenter avec les étudiants les pavillons et à relever la manière dont ce paysage était structuré, non pas par la rue piétonne, mais par la rue automobile, faite de boucles et de chemins sinueux pour rappeler les promenades en campagne, mais sans campagne cette fois. Et ce que vous verrez à l'entrée de l'exposition, c'est un extrait de ces relevés, qui avaient constitué un livre à l'époque, d'une centaine de relevés de grappes pavillonnaires, structurés par des voiries, et ici représentés par une série de maquettes désignant ces traits. Et dans ces fragments, on peut saisir ces cercles qui sont Ces espaces publics du périurbain qui ont été habités et occupés récemment avec les gilets jaunes. Et donc on voit que malgré tout les critiques, cet espace urbain produit des qualités, produit des lieux de réunion. Et comment renouer tous ces territoires? Il y a un outil qui n'est pas anodin, qui est cet outil qu'on a introduit par cette sentence avec « Reste inventé, la vie qui va avec ». Qui est la maquette de soufflerie d'un véhicule bas de gamme, pour ne pas la nommer la Renault Twingo. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que déjà elle naît en 1993, au moment d'une crise, au moment où le RMI était inventé. Et pour nous, c'est un objet qui, dans la situation pavillonnaire, malgré tout, c'est un objet qui égalise ses usagers. C'est-à-dire qu'on la voit aussi bien exploitée par des agriculteurs, aussi bien par des familles nucléaires dans les périphéries ou même par l'ophtalmo dans le centre-ville. Cet objet-là, au-delà de ça, en termes de design, il nous intéresse parce que l'industrie est un peu née dans la culture architecturale et la Twingo, en fait, elle émane pas d'un auteur, elle émane plutôt d'un collectif. Et c'est ce qu'on a fait en allant rencontrer l'équipe de conception de la Twingo. Simon Boudvin est par là, donc on s'est entretenu longuement avec un des concepteurs. Et ce qui nous anime dans la Twingo et aussi dans notre pratique, c'est que c'est le premier objet à élaborer dans l'industrie automobile française le principe du design to cost. C'est-à-dire c'est la première fois qu'une automobile ou un objet est pensé par son économie. Donc elle est esthétique, elle est joyeuse, elle est rigolote, mais en tout cas elle résulte de contraintes financières. Et c'est un peu nous ce qu'on fait dans notre pratique. Inaugurer le projet sans a priori, mais plutôt analyser les données, les contraintes et en faire un objet. Donc voilà pourquoi la Twingo nous anime, et avec aussi peut-être le lien avec Beau précédemment, où c'est peut-être une pète automobile, une voiture qu'on considère comme un animal domestique. Puis il y a quelque chose d'une forme d'hédonisme du quotidien dans la Twingo. C'est une forme réussie d'utopie industrielle, peut-être une des dernières utopies automobiles françaises, et qui montre aussi que le pavillonnaire qu'on décrit est source d'une forme d'hédonisme, d'une forme de plaisir à y habiter, que le constat n'est pas que négatif, au contraire, il est plutôt même enjoué de notre part. Donc, dans ce chapitre, je continue la liste rapidement. Vous verrez un livre sur les petites maisons qui date des années 60, comment construire sa petite maison, donc de la littérature populaire de l'architecture. Vous verrez une maquette de promoteur avec un bunker en béton. On en a parlé, une œuvre de Mathieu Mercier. Vous verrez des ronds-points, les paysages des ronds-points, avec cette phrase « L'ère tertiaire exige un effort paysager ». Vous verrez un film sur les paysages de rond-point. Beaucoup de sentences un peu proverbiales sont des alexandrins. Donc je vous invite à faire les décomptes. Une petite précision qu'on a déjà évoquée. Il existe 841 impasses des Lilas en France. Vous verrez également des échantillons de crépi, rose Californie ou rose poussière, pour préciser que le pavillon, c'est aussi le domaine des matériaux muets. On sait, quand on parle de matériaux muets, on parle de ces matériaux qui ont perdu finalement leur raison d'être avec les matériaux, leur lien avec les matériaux d'extraction. Le crépi n'étant plus les enduits faits de sable, d'alluvions locaux, mais étant des produits synthétiques. Vous verrez un projet non réalisé. Tout est contenu entre un champ et un cimetière. Donc ça, c'est un projet de maison individuelle qui n'est pas advenu en périphérie, dans le sud-ouest de la France, mais qui, littéralement, son contexte est un champ de maïs et le cimetière avoisinant. Et donc le projet que vous verrez qui inaugure la première salle est vraiment une bande d'une maison pavillonnaire assez standard, mais qui organise la voiture, le jardin et la piscine sur un même territoire réduit. Vous verrez un lampadaire, emballé de scotch, la transfiguration du banal. Vous verrez des dessins de Denise Scott Brown et Robert Venturi, deux architectes importants pour nous, notamment dans leur méthodologie d'enquête, et notamment ce dessin-là, issu d'une étude qu'ils ont faite sur Levittown, qui est un des grands ensembles pavillonnaires américains produits de façon industrielle pour la classe moyenne. Et on voit tout le registre symbolique et le malentendu pavillonnaire. Trois arbres en fond jouent à la forêt. Le petit portail rappelle le portail finalement d'une demeure ou d'un grand domaine de la bourgeoisie. La route courbée évoque les courbes de la campagne. Tout est le substitut d'un imaginaire qui n'est plus là. C'est-à-dire qu'on est dans une architecture de substitut qui évoque l'absence de ce qu'on a détruit ou de ce qu'on a perdu. Et c'est cette architecture de symboles, de signes, de substituts qui caractérise aussi l'architecture pavillonnaire. Et ce qui nous anime dans leur posture, à Robert Venturi et Denise Scott Brown, c'est qu'ils n'ont pas de mépris pour ce qu'ils analysent. Et ils parlent du vernaculaire de la majorité silencieuse. Et donc c'est eux aussi qui ont mené cette étude sur Las Vegas. Et pareil, avec un outil qui est celui de l'automobile. Et donc considérer les territoires avec cet outil du XXe siècle. Un petit canard, vous verrez, remporté de Philadelphie, signé par Denise Scott Brown, et ce petit mot, « Viva vulgar vitality », vive la vitalité du peuple, on pourrait dire. Vous verrez également une maquette d'Angelidakis, une maquette qui est faite d'objets commandés sur Amazon, des cartons qui s'accumulent, livrés en 24 heures. Finalement, la maison qui croule sous les objets qu'elle peut amasser, et finalement les objets se substituent à la maison elle-même. Vous verrez un travail d'étudiant et une enquête photographique réalisée avec Maxime Delvaux le fruit de longues dérives dans les bocages pavillonnaires. Et vous verrez un livre de Annie Ernaux, qui est une auteure qui nous est chère, qui raconte ses migrations pendulaires entre la banlieue parisienne et Paris dans le RER. Et enfin, pour conclure ce chapitre, un petit vase que nous avons produit. Chaque chapitre est agrémenté d'un vase. Ici, un vase de bitume à froid qui accueille des chardons. Donc le ton était un peu terne pour le prochain chapitre, et le neutre et l'éclectisme. Alors on va lire le texte. Je le lis ou tu le lis? Fin de siècle. Tout est pareil et différent. Nous nous situons sur une grille uniforme, saturée de points singuliers. La grille découpe, distribue, donne une mesure commune. Elle rend comparables les choses disparates. Nous habitons là, sur un point de cette trame, qui, malgré tout, malgré nous, nous égalise. Dans ce motif pavillonnaire, la condition est double, mise en forme négociée d'un jeu individuel et d'un nous collectif, à la fois neutre et éclectique. Notre territoire est un assemblage singulier de formes normalisées, d'idées communes et de produits standardisés. Il est fade, mais il nous plaît. Dans ce bruit de fond qui confond tout, nous sommes affectés entre doute et enthousiasme. Donc, le chapitre, c'est un des plus théoriques de l'exposition. Il commence par une collection de bics. Le bic étant un des grands succès du design industriel. C'est un objet qu'on peut qualifier de super normal, un objet totalement abouti qui n'avait pas vocation à être différencié. Et pourtant, il a fallu qu'il se différencie sans cesse, s'agrémente de babioles pour pouvoir continuer à exister. Vous verrez des dessins de Stanley Tigerman qui parlent du supermarché au milieu des maisons. Une maquette de Myoto, la grille et encore la grille sans cesse, qui est devenue un motif récurrent de l'architecture, je dirais, européenne, qui est un outil pour organiser finalement, supporter l'architecture, un outil récurrent. La grille des Américains aussi, avec ce projet de site de James Wines, d'un bâtiment, un building, une tour qui pourrait accueillir à chaque étage une série de maisons individuelles, qui est un peu la forme réussie du compromis que tout le monde cherche. Un empilement de maquettes d'études pour la conception d'une maison à Tassin-la-Demi-Lune, à côté de Lyon, donc un projet qu'on a réalisé. Vous verrez une grille encore, une grille d'un projet de Berger et Thomas Reynaud, le centre Pompidou Mobile, où la grille est l'outil pour finalement détailler des pièces, et chaque pièce offre une qualité différente, qualité de lumière, qualité de hauteur, qualité d'atmosphère. Vous verrez dans des échantillons de blanc, évidemment, tout architecte sait qu'il n'y a pas qu'un blanc et que le choix du blanc est un sujet épineux dans les rénovations. S'agit-il du 9001, du 9010 ou du 9016 ? Vous verrez un outil pour étalonner les blancs. Vous verrez également des maquettes de folie. Les folies qui sont ces petits bâtiments sans usage qui agrémentent les parcs de la noblesse, on pourrait dire dès le XVIIe et XVIIIe siècle, et qui vont devenir des outils pour penser l'architecture expérimentale, notamment dans les années 80 jusqu'à nos jours. Donc là, on peut détailler rapidement ce projet. C'est le projet dont Fabricio faisait référence, auquel Fabricio a fait référence à l'ouverture. Il s'agit d'un projet de recherche qui nous a permis de justement faire un inventaire de ces folies, de ces bâtiments qui sont des grottes, des temples, des ponts, des scènes, des tentes, des théâtres, des colonnes détruites, des ruines, etc., etc. Qui... La méthode aussi dans ce neutre et l'éclectisme, c'est que les folies travaillent sur un éclectisme des formes et des archétypes qu'elles convoquent, mais là notre travail c'était celui de les remodéliser, c'est-à-dire certaines folies n'ont pas été construites et donc on les a traduites en fonction de simples croquis qui existaient ou de simples gravures à plat du XVIIe siècle, donc ça a été un travail... de remodélisation et le but aussi, c'est-à-dire que celles que vous verrez dans l'exposition, donc il y en a une quinzaine et elles sont toutes représentées à la même échelle et toutes avec cette même matière grise qui les neutralise. Et en fait, c'est aussi une méthode d'architecte. Ce thème-là, le neutre et l'éclectisme, c'est aussi la question de la mesure et comment comparer, rendre comparables des choses éclectiques. Donc des architectures extrêmement singulières, André Abrandi, notamment Philip Johnson ici. Vous verrez... Un roman, un chef-d'œuvre absolu. Je préfère les lampes à abat-jour aux lampes halogènes. Autoportrait de Édouard Levet. Donc c'est un autoportrait et qu'on a défini comme un excès d'écriture neutre qui devient surréaliste. Voilà, c'est un grand auteur qui a beaucoup inspiré Thomas Claire, dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être on peut... On accélère. Non, oui, mais je finis. Vous verrez des formats de papier, donc les formats de papier normalisés qui finalement contiennent toutes les divagations qu'on peut opérer. Elles sont toujours contenues sur ce papier-là. Un projet de muret à Hong Kong, un projet de mobilier à Paris, une maison de lotissement à Plovan, en Bretagne, des bâtiments dessinés, mille et une formes, dessinés, inspirés des villes asiatiques par François Blanciac. Un projet d'infrastructure... j'ai oublié Plovan. Donc c'est cette maison, extérieure normale, intérieur bizarre, qui est un projet en cours en Bretagne, sur un territoire, pour le coup, suburbain, pas suburbain, mais... en périphérie d'un village, sur ce territoire qui va être loti très prochainement. Donc on est un peu dans la peinture de Thomas Lévy-Lannes. La maison va advenir. Donc le découpage parcellaire a eu lieu. Donc on est dans un site protégé avec une idée néo-bretonne, c'est-à-dire une invention de l'histoire, qui est que cette maison bretonne doit être une maison avec un toit à 45 degrés, enduit blanc, ce qui n'a jamais été le cas. C'est une totale... production normative. Et le projet de maison est de se conformer à l'extérieur à cette idée normée, de ne pas chercher à la modifier. De toute façon, c'est absolument impossible. Peut-être dans les proportions de la biaiser légèrement. En revanche, l'intérieur, qui n'est pas normalisé, lui, fera appel à toutes les extravagances possibles, à savoir n'être qu'un hangar pour des fêtes et c'est une maison de week-end. Donc, un hangar pour accueillir tout ce que la vie quotidienne ne peut pas accueillir. Et un peu de vernaculaire breton avec cette traduction du lit clos, où le lit où il n'y a pas de chambre, mais plutôt un meuble très japonais dans le principe qui substitue un espace. On a plus un meuble qu'un espace. Donc une infrastructure. L'idée que la maison de lotissement est plus un hangar pour accueillir des choses, plus qu'une maison au sens traditionnel du terme. Donc, je continue la litanie des objets absents, mais que vous pouvez découvrir en haut. Vous verrez donc cette infrastructure pour la ville japonaise, des outils de mesure qui nous dit que finalement le mètre n'est qu'une mesure parmi d'autres et qu'il y a des centaines de systèmes de mesure. Vous ne verrez pas un banc puisqu'il est coincé à la douane du Havre et qui devra arriver d'ici quelques jours, mais vous le verrez si vous revenez. Vous verrez les maquettes d'études d'une maison que l'on a fait à Tassin-la-Demi-Lune, pas la maquette, la maquette finale d'une maison qui se veut neutre et que l'on va vous expliquer. Donc ça c'est le diagramme initial. Donc c'est un projet qui est à Lyon, dans un lotissement pavillonnaire, qui a la qualité, le projet d'être un peu... le terrain est en pente, avec des arbres assez élégants et en forme. Et donc le projet était toujours dans notre souci d'équivalent, notre souci, du moins dans le fait qu'on considère les choses de manière équivalente. Le but était de ne pas toucher le sol pour ne pas ruiner le système racinaire des arbres et de venir chorégraphier l'ensemble des objets survolant le terrain. Donc après évidemment pas mal de maquettes d'études, le plan est un plan relatif. Enfin, la surface est une surface pseudo carrée qui est en lévitation sur le terrain, mais qui est évidemment implantée avec quelques pilotis. On ne touche pas à la topographie. Et la maison, elle, en revanche, a abouti à un plan extrêmement complexe, qui est une sorte de pièce centrale avec des satellites à la fois ouverts pour certains, puisqu'on a une cour dans laquelle la voiture monte. On a une terrasse qui s'ouvre sur le paysage et on a un balcon en lévitation à plus de 2 mètres et une série de salles satellites qui sont finalement les salles à usage, on pourrait dire, conventionnel, une salle de bain, un bureau, un cellier et une chambre, et une grande pièce qui, elle, est la résultante de la présence en périphérie de l'ensemble des pièces évoquées. Et pour en revenir à l'autofiction, ce projet aussi... a été conçu quand nous étions à Ivry, dans les étoiles de Jean Renaudy, où donc c'est un complexe de logement à Ivry-sur-Seine et qui est réputé pour être pour ses angles. Et en fait, il n'y a aucun angle droit. Et du moins là, le but, c'était aussi par les systèmes de reflets, par les systèmes d'angles, de créer de la complexité, des jeux de lumière et complexifier des modes de vie, enrichir les chorégraphies du quotidien. Donc ça, c'est la maquette structurelle de la maison qui était en métal. Donc on a eu la chance de faire certainement une des dernières maisons métal de France, puisque aujourd'hui on pourrait la revendre, ne serait-ce que pour le prix du métal, ça serait le coût global de la construction. Voici le chantier, donc avec la structure qui vient en porte-à-faux sur le terrain. Et aujourd'hui, la maison ressemble à un compteur électrique puisqu'elle est bardée du même bardage métallique. Elle se veut complètement disparaître dans le paysage. Et, évidemment, rien ne s'ouvre, mais on voit tout depuis l'intérieur, et ce qui fait une cohabitation de l'intérieur agréable et de l'extérieur un peu plus étrange. Donc, pour continuer, il y aura une treille géante du XVIIe siècle, un étendoir, une gravure qui annonce le triomphe du végétal, un étendoir à linge, une carte d'un territoire imaginaire qui est en fait un foulard qui vient d'être produit en collaboration avec Bombix Mama. Des dessins de Cédric Libert qui sont le résultat d'une discussion entre le neutre, l'éclectisme et la possibilité de quelque chose d'inconnu entre les deux. Oui, ce plan à folie quelconque dessiné aux 4 couleurs, ça émerge aussi de notre étude sur les folies, hein, et aussi notre méthode de travail au BIC 4 couleurs. Et c'est en gros un système... Le système de points d'intensité qui peut se pervertir par la rencontre avec ce qu'on peut imaginer en vert, un système végétal, ce qu'on peut imaginer en blanc, un système minéral. Et donc, c'est comment dans ce neutre et cet éclectisme, le rapport des deux peut créer du bizarre. Peut-être on passe à l'autre chapitre qui s'intitule « Boum, 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 boum ». Donc, je vais lire le texte. On est en 2001. Deux avions percutent 2 tours et nous entrons dans le XXIe siècle. Quelques jours plus tard, sur les bords d'une ville moyenne, une usine chimique explose. Le sol est pollué, les vitres brisées. Un soir de tempête, la mer emporte un lotissement. Les températures montent, les oiseaux disparaissent. Toutes les catastrophes ne font pas de bruit. La maison est toujours belle et confortable, mais nous savons maintenant qu'elle contient la promesse d'un monde en ruine. Pour ne rien changer, nous avons su domestiquer les ravages. Les choses qui cassent sont fascinantes. Nous les regardons à longueur de journée, mais nos identités désormais instables et fugaces augurent d'un monde joyeux. Bizarre n'est pas le mot qui convient, mais c'est le seul qui vient à l'esprit. Ce chapitre aussi, autofiction, c'est peut-être le premier qui est arrivé. En fait, ça vient du fait que, donc 2001, nous avons commencé nos études à l'école d'architecture de Toulouse, le 14 septembre 2001, à Toulouse, donc après le 11 septembre, et avant le 21 septembre, qui est la date de l'explosion de l'usine AZF, qui a littéralement explosé la ville, et donc... Autant dire que notre rapport à l'architecture était déjà conscient d'une précarité et que peut-être le fait de construire n'était peut-être pas l'activité qui allait nous occuper dans les années à venir. Donc l'école a été détruite et nous avons été hébergés dans une école d'agriculture. Donc nous avons étudié les fondements de l'architecture au milieu des chèvres et des champs de maïs, ce qui a été une expérience assez fondamentale. Donc dans ce chapitre, il y aura le travail de Gianni Petena avec les grilles d'avion, les grilles des vapeurs et du kérosène laissées dans le ciel par les avions, le travail de Saïd sur les ruines construites de Best, une maquette d'un lotissement inondé, une compilation de vidéos de catastrophes, ces vidéos qui apparaissent entre une pub pour des baskets et deux chiens qui jouent dans la cour sur nos réseaux sociaux. La catastrophe, c'est complètement, disons, banalisée et émissée dans notre quotidien. Et on voit que cette iconographie de la catastrophe n'est pas récente. Éventail du XVIIIe siècle, Ancien Régime, où donc c'est un éventail, les désastres occasionnent de jolis paysages. Et donc, c'est un éventail avec la représentation du Vésuve en éruption. Donc, comment se rafraîchir avec une catastrophe. On montre également une maquette de Gustav Metzger. Donc, Gustav Metzger, qui est une maquette qui s'appelle Stockholm phase 1. Donc, on est ravis de montrer cette maquette. C'est une maquette... qui représente un pavillon, qui est une sorte d'environnement qui rappelle une grille moderne, un pavillon qui est en fait encerclé de voitures, et on comprend que l'atmosphère dans ce pavillon-là, qui est translucide, est en fait chargée du gaz des pots d'échappement. Gustav Metzger, c'est un artiste important qui est peu connu. C'est un des précurseurs l'inventeur, le théoricien de l'autodestructive art au début des années 60, qui va prôner une forme d'art qui s'autodétruit entre une seconde et 20 ans, et qui aussi promeut des projets qui sont des processus et qui s'inscrivent dans une culture anticapitaliste et très militante, notamment des projets qui s'inscrivent en lien avec la société civile et quittent finalement le cercle des galeries ou du marché privé. Ce pavillon-là est un pavillon évidemment fait par un artiste, mais qui résonne totalement aujourd'hui avec les problématiques actuelles liées au réchauffement climatique. Ça a été conçu en 1972 et réalisé tardivement à Dubaï en 2007. Et on est ravis de présenter une maquette. Vous verrez un film... une série B, dans laquelle les objets sont extrêmement dangereux, qui met en scène l'accident domestique. Vous verrez un caillou réparé par Lois Weinberger, un artiste aussi important pour nous, qui répare un caillou en le raccommodant. Un livre fondamental, déjà une enquête de terrain, mais sur l'architecture bizarre, un des livres peu connus de Charles Jencks, qui est par ailleurs le grand théoricien du postmodernisme. Mais c'est aussi ce livre-là... qu'on a trouvé d'ailleurs avec Mathieu Mercier à Caen. C'est de la théorie de l'architecture, mais assez joyeuse et assez douce. C'est-à-dire, c'est pas la souffrance de la lecture, mais c'est à travers vraiment le principe des haïkus. Et en fait, à cet ouvrage-là, on doit la construction de notre ouvrage même, où où avec une seule phrase, il arrive à emporter des situations et à saisir un sujet, et qui, c'est aussi ça le rôle pour nous de l'architecte, hein, d'arriver à synthétiser des choses de manière très explicite. Donc vous verrez un journal qui s'intitule Plan Libre, qui est un journal qui est produit par la Maison de l'Architecture Occitanie et dont la rédaction en chef est assurée par l'agence, qui nous occupe, je dirais, tous les mois. Ainsi que les équipes de la Maison de l'Architecture, que je salue, qui ont fait le déplacement depuis Toulouse, avec cette couverture, La vie d'une autre, qui augure finalement du post-féminisme et des théories queer qui ont complètement bouleversé la pensée humaniste et qui était encore focalisée à la fois dans l'enseignement et dans la pensée de l'architecture sur la famille blanche, bourgeoise, hétérosexuelle, et qui aujourd'hui, les théories post-féministes ont complètement... je veux dire, ouvre un champ de renouveau dans l'architecture, qui est représenté par ce dessin de Maï Cordier-Johan, qui représente finalement le modulor qui était cet idéal de la mesure centré sur l'homme blanc occidental d'1m80, qui a influencé tout le design industriel et la pensée de la production du logement de masse, modulor pensé par Le Corbusier, qui a été évidemment un instrument normatif terrible, qui aujourd'hui... et fait face à une multitude de corps, d'attitudes et de cultures qui, évidemment, ne peut plus être compatible avec cet idéal moderne. Donc l'explosion, c'est aussi l'explosion des identités, donc l'explosion aussi n'est pas forcément dramatique. Des pancartes de manifestations qui sont des résidus de manifestations que nous avons organisées lorsque nous étions étudiants sur ces questions politiques. Un vase... raccommodé, dont la réparation est beaucoup plus visible que le vase lui-même. Détruire un peu de sol, donc ça c'est un projet de rénovation d'une friche industrielle pour une galerie d'art, où justement le travail d'enquête nous a permis de voir que sous une grande dalle de béton, il y avait un potager, et un de nos gestes va être de déposer cette dalle pour révéler... le potager médiéval. Des ruines construites sans préalable. Donc ce projet-là qui est construit, qui est le temple de la philosophie dans le parc de Jean-Jacques Rousseau, où c'est une ruine construite d'après les dessins de Hubert Robert. Un sandwich qui ne pourrit jamais, le fameux Big Mac, qui finalement ne change jamais d'aspect. Donc un sandwich éternel, à l'inverse de la ruine. Un plancher d'une grange Amérac qui a été relevé en vue d'être rénové ou pas. Une façade en gabions, des gravats comme des gabions de gravats, donc des gravats comme outil de construction, des relevés de gravats par Simon Boudvin, qui est présent ce soir. Un journal d'un manœuvre. Journal d'un manœuvre qui est finalement le témoignage poétique d'un écrivain qui était aussi maçon, qui raconte la vie de chantier. Une collection de Paris Match et autres journaux quotidiens sur la catastrophe. La catastrophe, c'est aussi AZF, c'est aussi le 11 septembre, c'est aussi la mort de Diana. Donc la catastrophe au sens le plus trivial du terme. Un chef-d'œuvre absolu. Seuls demeurent les restes organisés de la démolition choisie d'une maison carrelée. Donc Karine Schlageter en a parlé tout à l'heure. Donc nous présentons les ruines, les restes de la maison de l'artiste Jean-Pierre Reynaud, donc qui de 69 à 93, en 69, il achète un pavillon d'une zone suburbaine. Il est marié, il a un enfant, puis un an après, il décide de divorcer, que sa femme parte avec son enfant, et il commence à s'emmurer dans sa maison. Il commence à la carreler de manière assez obsessionnelle. Et donc il va faire ça, la carreler, y ajouter des œuvres, ajouter des salles, et donc de manière très obsessionnelle. Et c'est lui-même qui va la fabriquer, en s'enfermant peu à peu dans cette maison comme dans un bunker. Et il fait ça de manière assez joyeuse. On est allé le rencontrer, en fait. Il organisait, même si le personnage paraît un peu austère, il est très drôle. Il organisait des visites. Il nous a même confié qu'il a dit cette phrase « Plus maniaque que moi, tu meurs ». Il a un certain détachement. Et donc en 93, vu qu'il avait construit 15 000 fois sa maison, il en avait marre. Donc il a décidé de clore son œuvre ici, au CAPC. En fait, il a détruit lui-même sa maison, récupéré l'ensemble des gravats qu'il a dispatchés dans 1000 bassines chirurgicales et qui ont occupé l'ensemble de la nef du CAPC, dans lequel le public pouvait déambuler. Et donc, dans l'exposition, on présente ces vestiges choisis. Et c'est aussi plutôt, on s'est longuement posé la question, dans l'exposition, si on montrait le travail des architectes radicaux italiens, super studio, qui fantasment la grille universalisante, et on se trouvait que le carrelage était un peu plus drôle que l'emphase de super studio. Donc on passe rapidement sur les objets. Donc une tasse brisée, une colonne qui est une fausse ruine construite et qui est en fait une habitation en forme de colonne géante détruite, une chaise ruinée par ordinateur de manière opportune pour arriver au point d'équilibre et au moins de matière, et enfin on pourrait dire une sculpture d'un masque qu'on connaît tous maintenant, qui a été produit en 2013, qui était un peu, on pourrait dire, prémonitoire. Donc, on était sur des chapitres qui étaient plutôt, je dirais, pessimistes. On commence l'optimisme. L'allégorie du nuage. Avec l'allégorie du nuage en 2010. Les formes déçoivent. Cette déception est irrévocable. Nous habitons désormais un environnement constitué d'ondes invisibles, celles qui réchauffent, celles qui informent. Les meubles et les immeubles s'effacent, obsolètes, presque dispensables. Ni grottes, ni cabanes. L'architecture pourrait n'être qu'un nuage, une condition éphémère, une rumeur sans fondation. Un nuage apparaît lorsque la densité de particules en suspension dans l'air est élevée. Nuage d'images, nuage de pollution, nuage Wi-Fi, nuage de pluie, nuage de points. Face à l'horizon d'une disparition impossible, l'architecture s'efforce de devenir le moins possible, en deçà d'une forme tangible, juste assez pour accueillir nos corps sans emprise. Rien de plus. Donc la tentative d'une architecture qui disparaît, qui est consciente de son emprise. Et un bâtiment important pour nous, qui est la maison de la tapis 1, celle qui n'a pas été construite, qui était donc un travail de la Caton Vassal, qui est un climat construit, un matériau nouveau, composé à 99,9% d'air, de l'air solide, de l'aérogel, qui correspond presque à toute une utopie de l'architecture fugace et invisible. Des nuages, comment cartographier les nuages? Beaucoup de naturalistes se sont essayés au sujet. Nicolas d'Orval-Bory l'a fait pour sa dernière carte de vœux, une sorte de fantasme. Comment dessiner et qualifier ces choses qui passent dans le ciel? Un travail de Gratalou, une maquette qui est composée de fils de fer qui sont le relevé des mouvements et des habitants dans l'espace de l'habitation en devenir. Donc l'architecture comme l'enregistrement du mouvement, au-delà de la forme préétablie. Deux projets d'un architecte fondamental pour nous, Hiroshi Hara, deux dessins qui ont été ramenés par Thomas Daniel, on l'en remercie encore, et qui sont présentés, je pense, pour la première fois en France, d'une ville pensée comme un environnement, une ville de 500, qui est un cube de 500 mètres carrés de côté, et la tour de Turin, le projet pour la tour de Turin. Donc on n'est plus dans une architecture de composition, mais dans une architecture de qualification où on est en train de penser la qualité de l'espace plus que la forme de l'espace. Le travail d'Edouard Cabet, donc un architecte qui représente les flux. Donc il y a une étude sur le mouvement des passants sur une place publique à Barcelone. Et donc, c'est toute une analyse de ces mouvements de manière très psychogéographique. Et donc là, le travail de l'architecte se limite à décrire des flux. À faire du relevé. Une maquette de hangar-nuage, le Pepsi Pavillon d'hommes, de l'Expo 70 à Osaka, qui est un dôme qui a vraiment mis en œuvre cette idée d'une architecture qui quitte sa forme tangible et qui n'est qu'un nuage animé d'effets, de lumière, de son. Ça vient d'une recherche aussi qu'on a fait sur les boîtes de nuit, où le terme boîte de nuit nous anime, puisque c'est littéralement une boîte, donc en gros on s'en fout de l'architecture. Et du moins des éléments tangibles de l'architecture, et c'est le son, la fumée ou les drogues qui vont dispenser des éléments assez tangibles, que ce soit le mur, les façades ou le sol. Et on le voit avec le Pepsi Pavilion d'Osaka. Donc le Pepsi Pavilion d'Osaka, qui a été le fruit d'une collaboration entre des artistes, des ingénieurs et des architectes de le groupe EAT, où on voit des sculptures mobiles de Robert Breer sur le parvis. On voit un nuage qui enveloppe le pavillon de Fujiko Nakata. Et ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, c'est l'ensemble de performances musicales, l'ensemble, le dôme, qui était un dôme d'un textile qui était utilisé par la NASA, un textile réfléchissant qui forme une forme d'énorme miroir courbe qui fait que l'œil est incapable de percevoir les limites de l'espace, et les visiteurs étaient complètement leur reflet était diffracté, multiplié dans l'espace, si bien qu'on était dans une sorte d'expérience phénoménologique héritée des boîtes de nuit, mais qui mettait en déroute toute la culture architecturale, je dirais, conventionnelle, faite de choses tangibles. C'était littéralement le vide qui devenait l'élément construit, et finalement ce qui contenait le vide n'avait plus aucun intérêt. Vous verrez donc des maquettes de ces fameuses sculptures de Robert Breer qui bougeaient à l'entrée du pavillon. Vous ne verrez pas, mais vous entendrez peut-être la bande de son composée par Pérez pour l'exposition. Vous verrez des diagrammes produits par les aspirateurs automatiques qui calculent le meilleur chemin pour couvrir l'espace. Une nouvelle forme de reproduction de plans, non pas par le contour, mais par le trajet. Vous verrez un projet que nous avons réalisé à Kyoto en 2017, qui était un pavillon d'entrée dans la cour du CAC, le Kyoto Art Center. Vous verrez des photographies de Béatrice Utria qui représentent justement ces cachets qui produisent cet espace intangible, des chronophotographies des thermophotographies de Philippe Ram qui justement nous raconte que les formes visibles ne sont plus finalement intéressante, c'est la température des corps qui est aujourd'hui devenue le sujet principal. Vous verrez la maquette d'un projet qui est une halle inclinée sur la place principale de Toulouse. Vous verrez la maquette d'un avion, furtif qui est pensé pour envoyer les ondes des radars, donc la quête de la disparition comme objectif technique, technologique. Vous verrez un livre assez important d'écologie radicale et hyper-objet qui nous parle d'une notion fondamentale qui décrit des objets visqueux, sans forme et sans échelle. Et on peut citer cette phrase « Quand je regarde le soleil qui brille sur les panneaux solaires de la toiture, je contemple le déploiement du réchauffement planétaire. » Vous verrez une robe de Paco Rabanne disparaître dans une nuée de reflets. Et donc là, c'est aussi dans le souci d'équivalence, considérer la mode autant que l'architecture, autant que le design, autant que tout le reste. D'autant qu'en discutant avec Julien Dossena, qui est le styliste de Paco Rabanne, qui est de notre génération, donc qui travaille avec cette histoire, il a trouvé dans les archives de Paco Rabanne que c'était un architecte, et que toute cette maille a été pensée ou venue de différents échantillons de matériaux. Donc la robe qu'on présente ici, pour nous, on la considère pour son côté, ok, glamour, Françoise Hardy, tout ça, mais aussi on peut la voir comme un prototype d'une façade à venir. Vous verrez une tentative de disparition de l'architecture, une tentative réussie par Dominique Perrault en 1999, avec cette maquette de l'usine Applix, qui est une maquette en tôle polymiroir qui vise à faire disparaître le complexe industriel dans son paysage en le reflétant. Vous verrez les premiers, pour dire Tupperware, qui ont été développés par le BOAS en 1938, qui sont ces compartiments de verre. Et de la même manière, ils sont dans l'exposition, et donc on peut les considérer comme des objets domestiques, mais on peut les considérer aussi comme une tour en verre qui essaie d'empiler ses volumes d'air. Un objet étrange de Richard Sapper et Marco Zanuzzo, qui rappelle des maquettes de bâtiments. Pareil, comment on peut mécomprendre un objet et en faire quelque chose dans le champ de l'architecture. des diagrammes de répercussion des ondes de Wi-Fi dans un bâtiment, en l'occurrence la Galeria Continua. Comment finalement une rénovation, c'est aussi penser la circulation de ces ondes et peut-être avant tout. Vous verrez un vase qui est à la fois une bougie et un vase pour une fleur. Évidemment, la bougie brûlant et la fleur fanant, quelque chose de l'ordre de la catastrophe et de l'irrévocable devrait advenir. Vous verrez un projet réalisé au Japon, qui sont ce que l'on appelait des folies templates. Ou le fantôme d'un projet. Donc c'est un travail qu'on a fait à la Villa Kujoyama au Japon, où on s'est rendu compte que basiquement le tatami donc n'était pas un objet, mais plutôt un système de mesure. Et toute l'industrie au Japon est basée sur le tatami, donc ce module de 90 cm sur 1,80 m, mais qui détermine toute l'industrie. C'est-à-dire que les camions, des camions aux petits sets de table, tout est en multiple du tatami. Donc on a travaillé avec cette forme, avec ce système, pour concevoir, c'était une commande, et je remercie Christian Merliot qui est par là, c'était une commande de différents rituels japonais, comment l'architecture pouvait accompagner ces différents rituels, donc notamment la cérémonie du thé, notamment une performance de danse, notamment... une dégustation de wagashi, ces pâtisseries japonaises. Et ce qu'on s'est rendu compte à travers notre expérience japonaise, c'est la considération, ou du moins cette mise en équivalence, toujours, mais elle est assez explicite au Japon, entre les communautés d'objets et les communautés d'individus. Donc ces pavillons, ou du moins ces formes assez nuageuses, sont les endroits de réunion de ces personnes. Le système de tatami aussi définit, on ne compte pas les espaces en mètres carrés, mais en nombre de tatami. Et ce projet-là, donc, a été conçu avec un artisan japonais, il nous anime parce que c'est cette notion, pourquoi on l'a mis dans le nuage, parce que on ne sait pas si ce sont des ruines d'un projet ou si c'est... si c'est les fondations d'un projet à venir. Donc c'est vraiment cette limite, cette micro-limite, au Japon, on appelle ça un kekai, c'est cette... où l'interdiction, elle n'est pas explicite, mais elle est signifiée. Et donc là, c'est des suggestions d'usage assez douces. Et voilà, Thomas Daniel parlait justement de tous ces rituels, ou du tokonoma, l'espèce de petit endroit sacré où on vient mettre un ikebana. Voilà, comment le considérer au même titre que cette communauté d'individus. C'est une notion, enfin, ces pavillons-là nous ont permis d'explorer une notion qui nous est chère, c'est l'idée d'une architecture de l'en-deçà. En deçà, donc c'est un peu pompeux comme terme, mais ça veut bien dire que c'est une architecture qui cherche à disparaître, mais qui ne veut pas totalement disparaître, qui existe quand même à la limite de ce qui est nécessaire. Donc on va peut-être avancer sur l'avant-dernier chapitre, avec un chapitre qui est assez fondamental pour nous, puisque c'est une manière pour nous de théoriser la méthode que l'on a de pratiquer le projet et de s'insérer dans des éléments historiques de cette méthode-là. C'est-à-dire qu'après le pavillonnaire, après... l'explosion du pavillonnaire où tout a été détruit et ensuite où l'architecture cherche à disparaître... ce chapitre-là, c'est notre méthode et comment considérer le réel, comment considérer ce qui reste. Pour peut-être aussi inventer des nouvelles manières de faire de l'architecture. Donc 2022, tout est là. Il suffit de regarder. Considérant la réalité saturée, la nouveauté semble dispensable. L'observation est le premier acte de projet. Elle inaugure une conception sans a priori. Par expérimentation successive, la recherche se conduit comme une aventure. Le dénouement est inattendu. Dans cette enquête, l'architecture n'est plus le sujet. La densité du réel nous occupe. Les formes, toutes les formes, les histoires, toutes les histoires nous accompagnent. Tout est déjà là. Dans l'intelligence des situations, le reste, hélas, n'est que de nous. Donc vous verrez la maquette d'un projet de rénovation d'une friche industrielle pour la Galeria Continua. Et donc dans la maquette... enlever ce qui est de trop, ajouter ce qui manque. Vous ne verrez pas l'existant de cette friche industrielle, vous verrez uniquement les éléments que nous avons déposés, pour ne pas dire démolir, et les éléments que nous avons ajoutés. Pour montrer aussi que bien souvent, on est confronté à de la rénovation et la dépose, ou du moins considérer l'existant, enquêter sur ce qui est là, permet de prendre des décisions de projet. Donc vous verrez un vase qui est fabriqué d'objets trouvés justement sur ce chantier, un objet improvisé fait d'un pot de Nutella vide et d'une toile pour chape, une maille de fibre de verre trouvée à même le chantier, pour la galera continua d'ailleurs. Vous verrez un ensemble de documents préparatoires sur la forme de slogans et de phrases qui sont souvent les premiers instruments de projet, trouver les mots qui conviennent pour parler de la réalité. Vous verrez un ensemble de photos, de photographies d'un objet qui se trouve à 265 millions de la Terre. En l'occurrence, c'est la comète Chury, photographiée par Philae, et la sonde Rosetta. C'est quelque chose d'assez fascinant de se dire que finalement, il y a un endroit dans le monde que l'on connaît par un nombre de documents extrêmement limité. Alors, une série de photos, ce qui ramène à l'aventure qu'est le relevé en architecture, comment emporter le réel d'un site quand on ne peut y aller qu'une fois. Vous verrez le travail de Forensic Architecture, qui est un groupe d'architectes important, et pas que architectes pour nous, qui ont vraiment exploité l'enquête comme mode de connaissance, mais plus pour des raisons, disons, politiques. Ici, des investigations sur tant des crimes de guerre ou des crimes liés à la police, ou des ingérences dans le pouvoir, etc. Donc vraiment une enquête au sens policier du terme. Et ici, un bombardement constitué par une série de photographies collectées. Vous verrez un autoportrait de Denise Scott Brown, personnage fondamental de notre histoire, qui se photographie pour la première fois dans une forme de selfie dans le miroir d'un hôtel à Santa Monica. Et ici, certainement dans le reflet d'un casino à Las Vegas, lors de l'expérience fondamentale qu'a été le Las Vegas Studio, qui a donné lieu à l'ouvrage Learning from Las Vegas, où Stephen Seymour et évidemment Robert Venturi partent avec un groupe d'étudiants sur les traces d'une ville, enfin dans une ville qui à l'époque faisait fureur, qui était Las Vegas, pour essayer de comprendre de se confronter littéralement à l'état de la culture architecturale qui avait échappé aux architectes, la ville de Las Vegas. Et quelque chose d'assez beau dans cette histoire, puisqu'on a demandé cette photographie à Denise Scott Brown, qui voulait savoir pourquoi on voulait mettre une photo d'elle dans l'exposition, et qui nous a rappelé, en nous laissant un message très très beau, qui nous disait « Je veux vous parler de la vie avant l'architecture et je veux vous parler de l'abbé Breuil ». Et l'abbé Breuil se trouve être on présente un des dessins de l'abbé Breuil dans l'exposition. Alors ça a été évidemment inattendu comme rapprochement. Nous avions prévu de les mettre côte à côte dans le chapitre, mais il s'avère qu'ils ont une histoire commune. L'abbé Breuil était en Afrique du Sud. Lorsque Denise Scott Brown vivait en Afrique du Sud, elle était encore adolescente et elle faisait partie d'une société d'archéologie où elle aidait sur des fouilles. Et il se trouve que le personnage qui conduisait les fouilles était l'abbé Breuil. Et sans doute que les méthodes d'enquête, de relevé, l'attention à ce qui est enfoui, aux histoires à redécouvrir, vient de cette expérience qu'elle a eue auprès de l'abbé Breuil. Elle nous en a parlé longuement, comme un des très beaux souvenirs d'enfance en Afrique du Sud, et une expérience fondamentale. Ici, un dessin de l'abbé Breuil. On aurait pu en choisir 1000 autres, qui vient de la caverne des Trois Frères en Ariège, un dessin de 52 qui est le relevé d'une fresque pariétale, avec cette manière dont finalement le relevé du réel réinvente le réel, et avant de le relever, il est impartageable. Si l'abbé Breuil n'avait pas dessiné cette fresque-là, cette histoire de la paléontologie et cette fresque magnifique, qui est certainement un des chefs-d'œuvre de l'art pariétal, n'aurait jamais existé. Vous verrez un diagramme de Charles Jencks, donc qui est très présent dans l'exposition. Donc, ce critique de l'architecture qui est le premier, toute discipline confondue, à employer le terme de postmoderne. Et Charles Jencks, il a, bon, voilà, au-delà de ses écrits, là, ce système de pensée, ce système d'organisation par courant, où c'est des espèces de gros diagrammes assez bordéliques, mais où il crée des liens entre différents éléments. Et au-delà de l'histoire, on trouve que ces diagrammes-là sont des éléments qui traduisent bien la complexité ou l'écosystème d'un projet, de tout projet. On va accélérer, puisqu'il reste 5 minutes. Donc, voilà. Vous verrez des processions de fourmis, des codages chorégraphiques, des protocoles de description littéraire. Donc, Thomas Claire, qui n'a pas pu venir tout à l'heure, je vous invite à lire son roman de 400 pages où il décrit son appartement de 50 mètres carrés, de A à Z, de la petite cuillère à l'ampoule et au carrelage de sa salle de bain. Vous verrez aussi un projet de relevé d'une contre-histoire dans l'espace public qui se nomme Queering the Map, où c'est en gros un réseau qui permet de territorialiser des mémoires queer. Vous verrez un projet. Un projet de maison individuelle qui organise le rapport entre le végétal et un domaine d'objets. Vous verrez une gamme de mobilier, mais qui dépasse au-delà de la gamme de mobilier. C'est plutôt, dans le protocole d'enquête, c'est considérer ce qui est là. Donc c'est le projet pour la Galeria Continua à Paris, dans le Marais. Le commanditaire qui sont présents... on récupérait cet ancien grossiste en maroquinerie et avec tout un magma d'étagères en mélaminé des années 90, des faux plafonds de partout. Et toute la qualité du lieu a été niée. Donc l'objectif d'en faire une galerie d'art, c'est de récupérer de l'espace, donc déposer, pour ne pas dire déconstruire. Et ce qui nous angoissait, c'est qu'on ne voulait pas jeter... tout ce mobilier, toute cette matière surtout, et donc on a déposé proprement les éléments qu'on voit avec ces planches, puis on les a manipulés, des dessins, des slogans qui nous aident à penser. Le vase qui sort de ce chantier-là, mais aussi par assemblage, par expérimentation, par formalisation de la maquette du dessin. Ça a été comment produire cette gamme de mobilier sans rien dessiner, mais justement en considérant les formes par elles-mêmes, en coupant le moins possible, en économisant la matière et les efforts de chacun pour produire cette gamme de mobilier. Alors heureusement, il y avait des courbes assez bizarres, donc qui donnent une iconographie bizarre à cet ensemble. Ce qui nous intéresse dans ces mécanismes de projet, on parlait du projet comme aventure, c'est d'éprouver le processus de projet à la manière d'une recherche, de ne pas savoir comment il va aboutir, et vraiment d'être surpris par le résultat, à la manière d'un chercheur qui ne peut pas savoir le résultat de sa recherche. Et l'idée de formes trouvées ou de formes inattendues est assez fondamentale dans notre travail. Et dans les formes trouvées, on peut passer à la colonne que vous verrez dans l'avant-dernière salle, cette colonne de matériaux, donc c'est plutôt les matériaux trouvés, les matériaux du BTP, et que Estelle Deschamps assemble de manière assez précise, et il y a des vraies questions structurelles de comment faire tenir cet ensemble d'éléments assez standards du BTP, du polystyrène, du placo, des briques, et comment en faire un carottage contemporain. Ce qu'il y a d'assez beau dans ces matériaux, si on parlait des matériaux muets, c'est-à-dire que c'est des matériaux dont on ne peut pas savoir finalement la manière dont ils ont été produits, des matériaux ces matériaux industriels qui finalement sont les matériaux courants de la construction aujourd'hui, sont des matériaux mystérieux sur ce qu'ils racontent, leur lieu d'extraction, la manière dont ils sont transformés. Et c'est nos matériaux quotidiens dans la maîtrise d'œuvre. Un projet assez fondamental pour nous. On va le passer très vite. Je le passe très vite. Faire connaissance. Une mission photographique de 6 mois aux côtés de Maxime Delvaux, photographe, dans le cadre du pavillon de la Biennale de Venise, pavillon belge de la Biennale de Venise, avec notamment Sophie Dars qui est parmi nous, qui faisait partie également de l'équipe. On a fait du porte-à-porte pendant 6 mois pour essayer de voir comment les habitants transformaient, ajustaient l'intérieur des logements pour en faire un cadre de vie plus propice après la livraison des bâtiments, et essayer de voir comment finalement cette connaissance de terrain, cette mission photographique pouvait donner lieu pour nous à une forme de théorie de la réhabilitation de bâtiments, en l'occurrence de bâtiments de logement, ce qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui rassemble une sélection de ces milliers de photos réduites à 300-400 et qui ont, in fine, donné lieu à une exposition, donc dans le cadre du pavillon, où le pavillon lui-même était transformé, soit en écho direct avec, comme le montre Benjamin, avec ce que nous avions pu voir, ou soit de façon plus mystérieuse, avec une architecture qui disparaissait dans le pavillon. Ce qu'on donnait à voir, c'était l'architecture elle-même, et pas une exposition d'architecture. Il fallait scruter le pavillon à la même manière que nous avions scruté les intérieurs que nous avions visités. Le dernier chapitre. Pour conclure... Ce qui reste, donc 2030, les maisons nous survivent, leurs visages nous dévisagent, nous ne regardons plus par la fenêtre elle-même nous regarde. L'expression de ces façades auxquelles personne ne semble prêter attention procure une complicité réservée aux vivants. Elle nous implique, mais nous sommes absents. Désormais subsistent des vestiges épars et quelques déchets sublimes. Les plantes deviennent sujets, elles se manifestent, les matériaux revendiquent leur autonomie, ils s'émancipent. Toutes les formes de vie clament leur présence, la nôtre est dispensable. La laitue se flétrit, la pierre tombe. Les restes s'animent, rien ne s'annule, les choses cohabitent avec joie, mais sans nous. Donc c'est un peu, c'est une forme de... Bon, vas-y. Vous avez une minute. Une minute. Alors... Non. Attends. Oui, mais on a une minute. Mais non. Moi, je suis un bon élève. Hein. Vas-y. Donc, la maison visage de Yamashita à Kyoto, un projet de pavillon qui présente le visage du doute et de l'enthousiasme. Et cette histoire quand même sur le visagomorphisme japonais qui nous a animés. Ce qu'on dit souvent, c'est que... la fenêtre moderne, en fait, est un outil pour considérer le paysage. Donc, on regarde par la fenêtre. La fenêtre postmoderne, par ses expérimentations formelles ou historiques, on regarde la fenêtre postmoderne. Et aujourd'hui, désormais, c'est la fenêtre elle-même qui nous regarde. Qui nous juge même. Donc, les restes magnifiés de polystyrène qui sont à fin du marbre de Etel Adnan, un maudillant roman, le visage d'un adolescent imberbe arraché certainement d'une église de Dordogne qui nous contemple, des plantes que vous verrez plus tard qui vivent sans nous, la trace d'un chien qui a été laissé sur une non, on n'a pas le même PDF peut-être. Bon, bah alors c'est toi qui fais le défilé. Donc un hommage à Giovanni Anselmo, chef-d'œuvre absolu de l'arte povera, et justement qui montre cette tension entre minéral et une salade. Le vivant, en gros, se flétrit et le minéral n'a plus de nécessité. Donc c'est un des vases, c'est le dernier vase de l'exposition, vase pour une laitue. Ou quand le végétal fane, la pierre tombe. Un herbier qui a été issu d'une enquête de terrain sur la réhabilitation d'une friche industrielle, un manuel qui date de 1850 pour produire des fleurs artificielles quand il n'y aura plus de fleurs non artificielles, un ensemble de terre cuite qui reproduisent le motif d'un lac séché, un livre, Roger Caillois, Les pierres, un hommage aux pierres, une œuvre de Bertrand Lamarche qui est une sorte de transfiguration du banal où on observe quasiment un trou noir à travers une gaine d'aération qui tourne. Une coupe pavillonnaire qui resitue finalement un pavillon dans une cosmologie beaucoup plus ample, à la fois les étoiles et le centre de la Terre. Un projet de maison dans le Lot où les pierres trouvées sur le site deviennent les matériaux de construction. Les pierres bougent littéralement pour devenir une maison, peut-être une maison pour les pierres elles-mêmes. Un ensemble d'archives sur les folies que nous avons considérées autour des archétypes que l'on a mentionnés, la grotte, la pyramide, le belvédère, le pont. un projet important pour nous, un projet pour le coup très expérimental, qui est un projet de construction de monuments sur la baie de Txingoundi. La baie de Txingoundi, c'est une baie à la limite de la France et de l'Espagne, dans le Pays basque franco-espagnol. C'est une baie qui souffre terriblement des effets du réchauffement climatique, puisque les falaises passent dans la mer. La plage est absorbée par la mer également, et tous ces sédiments sont renvoyés dans la baie elle-même qui s'ensable et devient, le système hydraulique est perturbé et va être bouché à court terme. Les nouveaux commanditaires qui se sont fédérés via l'association des nouveaux commanditaires nous ont sollicité pour une manifestation positive de tous ces effets-là, et essayer de faire une intervention qui malgré tout ne tombe pas dans le catastrophisme. Et après une observation de terrain sur le territoire complexe, comme peut le montrer cette carte, nous avons, à travers divers rapports, découvert un procédé qui avait été découvert complètement par hasard par des ingénieurs, un procédé qui était utilisé pour le renforcement des plateformes pétrolières en sous-œuvre, donc sous la mer. Ce procédé, il consiste à mettre une maille métallique dans la mer, au contact des sédiments, donc sur le sol marin, d'y mettre de l'électricité en courant très faible qui varie en fonction de la température et de la salinité de l'eau. Et finalement, ça permet de catalyser la sédimentation et de produire une roche de synthèse autour de cette maille métallique. Donc la mer a littéralement réinventé le béton armé, mais sauf que c'est elle qui fait le boulot, et c'est vraiment un chantier silencieux où la mer construit ces armatures-là. Ce qui nous anime, c'est aussi le temps long, où c'est un projet qui se fait sans urgence. Le temps de l'accrétion, le temps de réunir tous ces matériaux, les débris coquillés, en fait, prennent beaucoup de temps, sans intervention humaine. Donc dans l'exposition, et ce que vous voyez là, ce sont différents prototypes qu'on a réalisés en laboratoire, là qui ont été accrétionnés pendant 6 mois. Et pour nous, c'est pour voir l'architectonique de ce procédé. Donc vous verrez des grilles, des arches, des... Donc un chantier sans humain construit par la mer. Vous verrez un vase. Donc ça, c'est les maquettes d'études. Le projet va être mis en eau dans les jours à venir. Et enfin, pour finir, un vase flaque, une flaque de verre qui contient une flaque d'eau, et un ouvrage réalisé par Pierre Vanny, qui est le graphiste qui nous a accompagné dans cette aventure qui nous venons de vous parcourir, qui rassemble l'ensemble, qui rassemble le récit de l'Impasse des Lilas et tous les constats. Voilà. Et pour finir, peut-être un dernier projet qui est un film qui est présent dans l'exposition et qui raconte finalement ce que essaie d'expliquer ce chapitre, ou en tout cas de donner à éprouver ce chapitre-là, ce qui reste. C'est une vie, en l'occurrence un paysage tertiaire, où les humains ont disparu et seuls restent les objets et les plantes qui vivent sans nous.